privilège li et c'est lui qui a fait nous parler dans nos dernières minutes ça nous dit merci pour ça. Bon Dieu béni. Amen. Nous avons gagné lecture nous qui est notre servante la sœur Martine Cédor nous dans Isaïe chapitre 54. C'est Martin Tapi pour nous dans Esaïe chapitre 54. On a profité de ça. Ou exercice. Passer devant. Hein? Pour vous barrer les rires. Si on a raison qui fait si moun yo, nous devons aider. Ou même qui parle. Ou bien si moun yo. Dédit ça, on est là déjà. On pas barrer aux tablettes. Les amis l'église à téléphone. Nous faisons. Félicitez nous. Gloire à Dieu. Eh bien, parce que Dieu m'a dit là, on va continuer à dire. Parce que, les dans la garderie, à l'école là, c'est pour grave le suivre. Eh bien, les nous fait cet exercice ça, yo. Parce que, vite camper devant, c'est pas vraiment facile. Nous avons remarqué ça, il va vous c'est facile. C'est pour vraiment facile. C'est ça que fait, la Bible dit, instruit l'enfant. La voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il descend de tout. Ce n'est pas un exercice facile. C'est pour cela, moi-même, serviteur, moi j'aime travailler en équipe. Parce que, les nous ensemble, si moi-même, pas trop bon en lit, mais dans l'équipe, là, bien on dit bon en lecture, ça calme bien à la prière. Ça qu'a chanté bien la vie de chanter. N'y a pas qu'on chanter, mais il y a une équipe qu'on chanter. Alors, c'est ça qui fait l'on en équipe ou plus efficace. Le chiffre 1 est égoïste. C'est trop petit pour réaliser des exploits. Malheureusement, pile de la comme ça. Nous besoin de tout le monde. Nous avons utilisé tout le monde. Ou là, nous tous, nous importants aux yeux de Dieu. Eh bien, on va pouvoir le dimanche après dimanche. Alors, jour, on va vite passer devant. Yes. Des fois, c'est au cabine de briller. C'est au cabine de faire lecture. C'est au cabine de faire bénédiction. Préparons. Dimanche, Dieu, c'est pour, ok? Amen. Après, Dieu, c'est pour. Esaïe, chapitre 54. Gloire à Dieu. Les nous garder dans le verset premier. Hein? Serviteur a dit, toi, qui n'a pas, l'on a version par nous, car on trouvait un petit peu différent, toi qui n'as pas enfanté, éclate un cri de triomphe et jubile, toi, qui n'as pas connu les douleurs. Imaginez, au moment qui va être petite, tout le monde a un petit, n'est-ce pas? Toute madame, là, au film marié, t'as un main dans les prochaines 2-3 ans, puis au petit bébé, on a bras, à courir, à jouer avec eux. Eh bien, ici, mais voilà, le prophète Isaïe dit: maman, pas un petit, je vous réjouis. Pour bâiller mon Dieu gloire. Bâiller mon Dieu gloire. Le car le fils de la délaissée sera plus nombreux. On ne peut pas venir comme ça. Ou même qui va te jambier petit là, au moment où elle vient, qu'on va le content. Non seulement qu'on va le content, et l'espace où il y a avec, on va l'obliger à l'argile. Et on va aller dans le monde, quand elle a qu'à courir de ce côté pour jouer. Et que le fils de celle qui est marié, dit l'Éternel, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne reménage pas, allonge tes cordages et affirme tes pieux. Et les noirs avancent plus loin, dans le verset 17. L'Éternel dit:
tout instrument. Comment dit qui est-ce qui a moi? Parce que tout le monde qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut de mon nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Serviteur, servante, bon Dieu, qui a marché dans l'intégrité, qui a marché droite devant mon Dieu, oh, et bien mes héritages, que l'Éternel réserve. Mes chers bien-aimés, dans l'année 1955, il y avait un jeune pasteur américain du nom de Robert Schuller. Robert Schuller avait un rêve. Il voulait construire une cathédrale en cristal en Californie. Et monsieur a nourri l'idée pour réaliser le projet ça. Et puis il chita avec l'équipe, lui, architecte, ingénieur, et puis il fait part même projet là, mais ça ne voulait réaliser. Et parmi l'équipe, il y a un architecte qui a pressé vous dire, mais monsieur le pasteur, c'est dans un désert, hein, en Californie. Il dit, mais c'est impossible. Nous ne pouvons pas construire dans l'espace ça. Là. C'est un désert, nous ne pouvons pas construire là. Et puis, je dis dans le bureau, les architectes ont dit le seul, dit, bon, ok, nous avons un dictionnaire là, dans le mot expliqué, c'est quoi le mot impossible. Et il dit, mais pasteur, c'est impossible. Il dit, oui, très bien. Et puis, je ne pas comprendre tout à fait, mais le point dictionnaire a cherché le mot impossible pour le détailler et expliquer le pasteur en question. Et du début jusqu'à la fin, je ne pas jamais joindre le mot impossible dans le dictionnaire. La raison, c'est que notre pasteur Robert Schuller, il a pris le soin de découper tout côté d'un dictionnaire où le mot impossible était inscrit. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Parce que dans sa tête, sa cathédrale était réelle. Cathédrale là, de Well déjà, il était visualisé déjà. C'est-à-dire, il connaît, il n'est pas impossible pour la cathédrale ça est construite là. Et effectivement, son rêve a été réalisé. La cathédrale cristal se trouve en Californie. Ce même pasteur, à l'époque, il était âgé de 29 ans. C'est un grand écrivain également. Il y a un de ses livres que je possède, La magie de voir grand. La magie de voir grand, et là-dedans, nous jouons le passé qui dit, le jour où tu cesses de rêver, tu commences à mourir. Le jour où tu cesses de rêver, tu commences à mourir. En tant que femme, servante, serviteur de Dieu, il faut voir grand. Parce que notre Dieu est grand. Il possède tout. Yes, moi-même, avant qu'il s'est petit, mon Dieu, nous devons ouais, grand, nous devons rêver grand, nous devons penser à gros bagailles. Nous devons pas contenter nous avec des petites choses. Parce que notre Dieu possède tout. Le pasteur Schuller, monsieur, était en train de visualiser la cathédrale là, voici le décor, comment chaque côté, toute bagaille, va le situer en dedans, ça. Hein? Mais son équipe de techniciens, eux-mêmes, ils n'ont pas de dimension ça. Ils ont dit, ouais, c'est possible. Oh, même si elle était well, il était en well, il était réalisé dans la tête, il était well quand il était là déjà. Je dis à moi-même avant, captain, la grâce et la bénédiction de Dieu, depuis X années, le problème n'est autre que moi-même avant. Ça dépend comment on voit mon Dieu là. Comment on comprend mon Dieu là. Eh bien, ici, dans Esaïe chapitre 54,
Il dit nous ici, le verset 2. Exaltez-nous, élargis l'espace de ta tente. Rallongez tes cordages. Raffermis tes piquettes. Raffermis tes piquettes. Tes pieux. Raffermis yo. Environnement votre yéa. Environnement ça qui empêche au crédit. Puisque ou même vous marchez avec mon Dieu. Ou même qui cherchez la bénédiction de Dieu. Ou même qui veut grandir dans mon Dieu. Eh bien, équipe ça. Hein? Côté ma pour information, non. Faut tester. Qui côté va me former? Qui côté va prendre information? Eh bien, l'Éternel, exhortez-nous, dis-nous non, élargis l'espace de ta tente. Ou pas, il doit contenter avec tes bagailles. Oh non, moi-même, papa, je vais me faire une vie, il y a des machines à. Notre Dieu est grand, il possède tout, nous sommes les enfants de Dieu. Rêve grand, voix grand. Si l'Éternel parle de l'homme, on s'en a déjà, c'est un problème, non, parce qu'on est limité, mon Dieu. Eh bien, voix grand, notre Dieu nous demande d'élargir l'espace de nos tentes. Tant ça, que mon Dieu a pas de voix grandir, il n'est autre que nos cœurs. C'est que nous, oui. Parce que le jour que mon Dieu joue une cœur nouvelle, qu'elle va placer là-dedans, eh bien, dévotion, l'impossible, pas capable de barrer. Parce que avec Dieu, tout est possible. Amen. Rêve grand. Vous m'avez le droit de compter à toi, moi-même, quand je suis passé des cas, ça me fait une abeille, il y a un petit job. Notre Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Lui possède tout. C'est-à-dire, remettre la cœur de mon Dieu. Aussitôt que mon Dieu possède des cœurs, aussitôt que le place lui, oh, il y a un espace dans tant ça, pour l'élargir, oh, pour le jeune louange, quand on va faire gloire tout le temps, eh bien, reste bagaille, c'est comme si, on ne sait rien, parce que mon Dieu là, les mon Dieu là, tout va bien. Les mon Dieu là, pas de bûche, pas d'obstacle, parce que le jeune espace, oh, Timounio, dans le cas là, ou pas qu'à contenter dans un petit 3,5, dans un petit 1,5 pendant ce que tout le monde connaît jouer. Élargissez. Notre Dieu nous ordonne. Élargissez. Ok. Détirez le cordage, agrandir l'espace à droite et à gauche. Et, oh, petit nous, yo, 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 partout dans d'autres nations. Parce que, petit nous, yo, 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 rencontrer des étrangers. Y a marié avec des étrangers. Oh! Nation nous qui pour prospère. Petit nous, c'est-à-dire, ne restez pas confinés dans un petit coin. Ah non, moi-même, papa, je ne vais pas entrer dans le monde. Oh, moi, toi, je ne vais pas suivre le monde. Tu es le serviteur, la servante de Dieu. Élargissez l'espace de ta tente. Vous allez devoir contenter d'être si sauvéa. C'est vous-même qui empêchez mon Dieu béni. Moi-même, c'est nous-mêmes qui nous bloquons, nous limitons, mon Dieu, avec l'espace que nous avons. Mon Dieu est au-dessus. Livre-le, mon Dieu voulait faire où d'ailleurs. Livre-le, béni. Mon Dieu voulait vous paraître grand, comme le monde qui peut chercher, mon Dieu, pour céder ça et ouvrir. Et bien, moi-même, avant, au jour le jour, nous vivons dans la promiscuité. Ce n'est pas normal. Gouard qui va marcher. Et bien, ici. Le verset 2 nous dit, élargissez l'espace de nos tentes, raffermis tes pieds, arrangez, raffermis, piquez tout le monde capable de venir solide. Oh, besoin solide, ou besoin, oh, rassurez-vous que vous n'êtes pas capable de vous aller. Que vous n'êtes pas capable de vous aller. Parce que vous connaissez, par exemple, nous-mêmes qui avons vécu en Haïti, dans les années 97, les grands séries, nous consacrons les tentes très bien. Nous voyons comment tout le monde est en bas top. Eh bien, tant que ça aurait à monter, nous voyons comment il a poussé piquet. Que ce soit fait en bois, des bois pointu ou bien en acier. Quand vous n'êtes pas capable de aller, raffermis tes pieds. Raffermis, renforcez. Et puis élargissez. Rallongez les cordages à droite, à gauche. Prends l'espace.
pour nous capables de grandir, mon Dieu. Bon Dieu, besoin d'espace dans le cœur, nous. Moi et ma voix, bon Dieu, besoin d'espace. Il besoin d'espace. En nous bail, mon Dieu, place la caille, nous. En nous retirer l'orgueil, l'hypocrisie, pour mon Dieu, capable de jouer l'espace. Oui, nous sommes acte des apôtres, parce que tu as détaillé le matin. Comment nos bien-aimés, comment ils étaient assidus au temple, dans la présence de Dieu. Ils étaient tellement fixés, focus sur mon Dieu. Ils étaient connus, mon Dieu, au matin, comme ça, à la privée. Et si on a les autres, ils étaient vivants. Ils étaient remettre tout eux-mêmes, parce qu'ils connaissent mon Dieu à pas loin. Ils étaient voués, cet esprit, ils disaient, bon, c'est le Messie à qui vous venez. Il va loin, certainement. Il vive dans l'enseignement. Il n'y a pas de garder ces détails. Je dis, je tombe sous bien aimé à mal seulement. Il est en train de le voir, je vais garder. Je ne vais pas venir là encore, non? Ouais, je vais garder. C'est comme ça. En même temps, moi-même, et tout le monde fait ça. Déblousage pendant ce temps. Bon Dieu, voulait bénir ou bloquer grâce ou bloquer bénédiction. Raffermis tes pieux. Rallonge tes cordages, laissez de côté les distractions. Rangeau, focus sous, remettre, élargis cœur. Ouvre cœur, ben le Seigneur, de se place. Pour être capable de bénir, pour être capable de retirer dans son IA. C'est vous bloquer, le Seigneur veut rentrer. Lila, ouvrez vos cœurs. Aux appels de grâce. Notre Dieu veut vous délivrer. Mais vous limitez, élargis l'espace de ta tente. Oh oui, moi-même, quand je me garde petite, moi-même, papa. Oh, non, vous vous envoyez à vous-même un message autodestructeur. On appelle ça l'esprit négatif. Ou de l'étroitesse d'esprit. Ou pas qu'à serviteur, mon Dieu, pour dire moi-même, quand je me garde. Non, notre Dieu n'est pas limité. Non. C'est-à-dire, moi-même, avant, c'est notre problème, si nous venons, il y a. Si l'espace, ça, l'a servi, mon Dieu, là. C'est nous-mêmes qui pouvons arranger pour mon Dieu ranger les bagailles. D'abord, c'est nous-mêmes. Ça dépend de nous. Notre quand tu as soif, ouvre le robinet ou que tu verses à nous-mêmes, ou à plein d'eau à continuer à vider. Si vous venez en Canarie, ou à plein d'eau à continuer à vider. Ou venez en Doum, ou à joindre, quel que soit son mot, guérir pour habiter en abondance. Parce que mon Dieu, c'est source là. Mais si vous venez avec un petit gobelet, ou à prendre selon son besoin. Ouais. Tout ça toujours là, l'intarissable, c'est ça le Dieu que nous servons. Élargissez l'espace de ta tente. Élargissez l'espace de ta tente. Allonge tes cordages, raffermis tes pieux. Mon moi fréquentez-yo. Oh, mon sa yo, tout de yo toute la journée. Bagay yo attendez yo. Est-ce que ça yo kaido solide dans mon Dieu? Ou pas capable de grandir dans mon Dieu quand on prend information? Hein? Si vous avez besoin de grandir dans mon Dieu, ou est-ce que raffermi, ou est-ce que solide? Eh bien, arrangez-vous pour jouer le monde qui a prié. Pour jouer le monde qui a cherché mon Dieu. Pour jouer le monde qui a cherché mon Dieu. C'est mon Dieu capable de nous. Une fois ferme dans mon Dieu. Vous devez pousser dans mon Dieu. Au jour le jour. Élargis, raffermis, solidifier. Oh, élargis l'espace de ta tente. Regardez, maman, vous pouvez faire petite. Le moment de délivrance arrivé, c'est la sa douleur qui est terrible. Mais qui ça a dit nous pousser? Poussez, votre foi. C'est là que les gens vont arriver. Il y a quelqu'un qui est bagarre à chercher dans mes mon Dieu. Vous avez une grâce, mon Dieu. Et bien, il ne faut pas peur. La gecko a testé pour vendre tout sous des genoux pour chercher mon Dieu. Et bien, c'est le moment de délivrance qui va arriver. C'est pas d'arrêter les gens dans le téléphone. C'est pas d'arrêter sur les réseaux sociaux. Oh, sur WhatsApp. Quand vous voyez un message à droite à gauche, à chercher partout, toute délivrance qui va venir. Et puis, pour distribuer, prends ça, sinon, malédiction va tomber. Non! Focus sur Pito. Beaucoup de monde qui a cherché mon Dieu, qui a la prière, qui a lu la parole de Dieu, pour capable de faire une grâce pour avancer. Élargis l'espace de ta tente. Nous avons besoin d'espace. Même si vous êtes là, tout le monde va évoluer là-dedans. Mais il faut penser, mon Dieu, qui a fait plus que ça. Mais sous limiter, mon Dieu, on va être là. Nous ne pouvons pas grandir. Laisse nous comprendre, mon Dieu, à son petit, mon Dieu, qui est lié. Mais tout autant que vous pensez grand, ou est mon Dieu, à nos autres dimensions, nous n'avons pas étonné. Parce qu'il a dressé devant une table en face de tes ennemis. Oui. Lorsque vous êtes mon Dieu, à grand, eh bien, votre couple se débordera. Oh, comme il avait fait pour son serviteur David.
Au bédouin, mais c'est sexiste, il dit ma coupe. Oh, il dit résultat devant, en face de mes adversaires, et ma coupe déborde. Il ouait d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Eh bien, l'on comprend, l'on a des dimensions dans mon Dieu, l'on comprend la grandeur de Dieu. Eh bien, l'espace de temps, toi, il est assez large, que mon Dieu joue une place là-dedans. Eh bien, inquiétude, Dieu aller, d'où Dieu aller. Oh, c'est la gloire, c'est le tout temps. Ou toujours qu'on change joyeux, ou toujours à méditer la parole de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, certainement, ou à vouer bagaille ou l'autre gens. Moun pa ka comprendre nous. Moun pa ka comprendre nous. Parce que, bon Dieu, a changé bagaille ou Dieu mettons dans l'autre niveau, mais faut être disponible. Faut que Dieu joue l'espace. Faut jouer l'espace. Faut cœur disposé. Pour mon Dieu, jouer l'espace pour le bénir, pour le faire grâce. L'église chrétienne lumière, bon Dieu voulait faire grâce. Mais cependant, est-ce que nous prêts pour nous recevoir la grâce de Dieu? On élargit l'espace de nos tentes. Élargit l'espace de nos tentes. Rallonge le cordage à droite et à la gauche. Raffermis, raffermis nos pieux, raffermis nos pieux, raffermis. Oh, pointez piquetio solide parce que gros vent qui a venu. Les vents venus, ils capotent trois liés. Mais si vous pas solide, si vous pas raffermi, vous pas bien ancré, les gros vents venus, ils capotent trois liés. C'est pour cela que nous besoin solide. C'est le même. Quand on vient joindre bon Dieu, eh bien, puisqu'on tout nouveau, vous faites pour changer d'environnement. Vous faites pour appuyer, chercher le monde. Oh ouais, quand vous cherchez, mon Dieu, tout bon, c'est bon côté vous coller. Mais si vous savez vous appuyer, parce que vous savez vous allez arriver dans l'assemblée, vous n'avez pas causé le monde qui est intéressé, vous n'avez pas la vie de monde, mais vous cherchez, mon Dieu, c'est bon côté mon Dieu, si vous voulez grandir. Si vous voulez grandir, c'est bon côté mon Dieu, vous appuyer. Oui, si vous voulez oh, élargir l'espace de ta tente, il faut garder déjà, choisir. Ou à jouer des bien-aimés comme modèle. Eh bien, ou à un jour, à côté au jour le jour, on va élargir, on va étendre, on va détirer les cordages, on va grandir à droite, à gauche, et les seigneurs a besoin d'espace pour le bénir, pour le faire grâce en abondance. Oui, bénédiction, moi et ma voix, il dépend de comment nous prenons Dieu noir. C'est comment nous prenons Dieu noir. Oui. Et. L'arrivée dans le verset 17 là, nous voyons comment il dit voilà qui s'est réservé ou même servante, serviteur qui remet tout dans bon Dieu, tout bon vrai, pas grand rien qu'à arriver, yo sans effet, toute flèche, tout complot, tout ennemi préparé pour vous. Eh bien, puisque bon Dieu joue l'espace, puisque ta tente est assez large, l'espace pour bon Dieu. Oh, joue une place pour les anges Lio, pour toute équipe Lio, où il y a besoin de gloire, louange. Eh bien, tout ça est mis à préparer pour vous, il y a sans effet. Il y a sans effet. Parce que, on a présence, mon Dieu, parce que mon Dieu joue une place là, caillou. Le Saint-Esprit de Dieu est toujours là, il est toujours présent. Il y a assez d'espace. Ennemi n'a pas besoin de trou vide. Oui, ennemi n'a pas besoin de trou vide. Et si vous pas veiller, vous pas raffermir, oh les pieux, a bien des brèches, a bien des brèches, va passer, oh est un pays capable de rentrer, et puis c'est gardé là dehors, ouais, n'importe qui, et toi capable de voler, allez, eh bien, mais les pieux bien raffermis, cordage bien étiré, à droite, à gauche. Mais bien, vous rassurez, vous parlez aux chrétiens flottants, vous voyez la doctrine, vous ne pouvez pas aller. Et moi, je vous dis, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas aller. Parce que vous connaissez ça, mon Dieu. Raffermis tes pieds, allonge tes cordages, élargissez l'espace de vos tentes. Vous pouvez avoir une grâce, mon Dieu. Mais une grâce, mon Dieu, élargissez l'espace de vos tentes. N'oubliez pas, la tente, c'est le cœur. C'est ça que mon Dieu voulait. C'est lui-même qui voulait nous grandir au jour le jour. Mon Dieu voulait nous remettre le cœur, nous.
pour nous préparer à recevoir la bénédiction, mon Dieu, par l'autre côté, c'est cœur nous. Et mon Dieu, l'est au prêt comme ça, eh bien, mon Dieu, pas le temps de ça, eh bien, demeure. Mais demeure retourné à la hâte, c'est vous inconfortable, mais rassurez-vous, dans la maison de Dieu, côté nous allons passer l'éternité, nous, maison ça n'est pas construit des mains d'hommes, mais c'est de la main de notre Dieu. Et c'est là que nous allons passer l'éternité. Mais cependant, dès maintenant, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut raffermir nos pieds et continuer à élargir. À élargir l'espace de l'autant. Au Dieu béni. Amen. Amen. Amen.